Bonjour, je m'appelle Aline Brenta, j'ai 18 ans et je viens du canton de Fribourg. Mon travail s'intitule L'évolution des tramways dans la ville de Fribourg de 1897 à nos jours. Il s'agissait pour moi de mieux comprendre le développement des tramways fribourgeois et de leurs successeurs durant le XXe siècle. Pour cela, j'ai utilisé la méthode de l'histoire orale. J'ai discuté avec mon arrière-grand-mère Jeanne, veuve d'un conducteur de tram. Son récit des différents événements m'a permis d'apporter une dimension subjective à un compte-rendu historique, particulièrement concernant le métier de conducteur. J'ai par ailleurs étudié le fonctionnement technique, horaire et tarifaire des tramways, par la suite remplacé par des trolleybus, puis par des autobus diesel, et enfin par des trolleybus bimodes, fonctionnement à la fois avec une traction électrique, grâce à des câbles aériens, et aussi grâce à un moteur lorsque ces câbles ne sont pas disponibles, une première en Suisse. Je me suis également intéressée aux différents usagers des trams, m'aidant pour cela du propre vécu de mon arrière-grand-mère. Celle-ci m'a donc permis de mettre en lumière différents aspects souvent délaissés par la littérature historique, enrichissant mon travail de nombreuses anecdotes.